Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la réponse de ma FAQ. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions quand même, donc tant mieux. Donc voilà, donc c'est parti. Première question, donc c'est de Equipika, donc si je me trompe dans les noms, dites-le moi. Donc, quels sont tes animaux préférés? Donc, à part le cheval, donc mes animaux préférés sont, bah, le chien, le chat. Attendez, je réfléchis. Les bébés canards, les canetons, oh, j'adore, c'est trop mignon. Voilà. Deux. Autre sport, fais-tu un autre sport que l'équitation? Alors oui, je fais de la danse. Donc sans compter, enfin là je dis hors scolaire. Donc je fais de la danse classique, moderne et contemporain. Je le dis depuis combien de temps, comme ça s'est fait. Depuis maintenant 7 ans. Voilà, donc. Après, avec le collège, on a fait rugby, gymnastique, piscine, lutte, ping-pong. Il me manque quelque chose. Je sais plus ce que c'est. Bon, bah, je crois que c'est tout. Ensuite, 3. Comment t'es venue la passion des chevaux? Ben, en fait, tout simplement, quand j'étais petite, je regardais des. Dans mon village, en fait, il y avait des genres de. En fait, c'était par rapport aux taureaux, il y avait des. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai un trou. Bref, hein, il y avait des trucs de taureaux où il y avait des chevaux qui les suivaient. Et c'est comme ça qu'en fait j'adorais les chevaux, ils étaient trop beaux. Du coup, bah, c'est comme ça que ça m'est venu. Du coup, j'ai commencé à faire le cheval. J'avais 3 ans, je crois. Comme ça. Ensuite. Alors. Emma Horse Passion Chevaux. Donc, première question. Depuis combien de temps fais-tu du cheval? Donc, bah, depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, depuis 10 ans, du coup. Voilà. Deuxième question. As-tu des animaux de compagnie? Alors, j'avais 2 animaux de compagnie. Voilà, donc j'avais un chien qui est décédé, voilà, d'un cancer des amygdales. Et un chat qui est mort du sida. Donc voilà. Et ce chat, en fait, je vous expliquais, mon chien, je l'ai trouvé. Enfin, c'est mes parents qui l'ont acheté quand elle était bébé, elle était maltraitée, etc. Donc il a récupéré de la SPA. Et mon chat, en fait, il était sauvage parce que je l'ai retrouvé chez ma grand-mère. En fait, ils habitent dans la campagne et il y avait un renard. En fait, on a retrouvé des corps de chats morts. En fait, et c'était des chats sauvages. Et du coup, elle était sauvage quand elle était toute, toute, toute petite. Du coup, et ben, on l'a recueillie. Voilà. Quel galop as-tu? Donc j'ai le galop 2, la théorie du 3, et il me manque. Non, la pratique du 3, il me manque la théorie, et j'ai aussi la pratique du 4. Il me manque les deux sur la théorie. Ensuite, 2, Shadow Fantasy. Première question, ton vêtement préféré. Donc, mon vêtement préféré, c'est celui-ci. Donc voilà, donc je l'ai acheté à Jennifer. Donc il est juste magnifique. J'arrive plus, ça y est. Je vais vous mettre là. Donc c'est un cheval. Il est juste trop beau. Je l'adore, les ombres et tout. Il est juste magnifique. Voilà. Donc ça c'est mon vêtement préféré. Ensuite, question de Horse Dream. Première question. Si tu avais 1000 euros, que ferais-tu avec? Je vais sauter direct. Je pense pas que je vais réfléchir trop. J'achèterai un cheval. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. Voilà. Deuxième question. Ton cheval préféré? Alors dans mon club, en fait, depuis que quand j'ai commencé l'équitation, justement, à 3 ans, quand j'ai fait mon premier cours, j'ai vu un cheval. Il était blanc. Il était trop beau. Et ma grand-mère m'a fait monter dessus. Il y avait son propriétaire. C'était un vieux monsieur. Puis voilà. Donc du coup, ben, je l'ai vu et tout. Puis après, je pouvais pas le monter vu qu'il était trop grand et tout. Puis après, en grandissant, ce monsieur, il était trop vieux. Du coup, il avait vendu à une dame qui voulait le vendre à l'abattoir, en fait, parce qu'elle l'aimait pas et tout, et voilà. Et le centre équestre l'a acheté, donc c'est devenu un cheval d'école au lieu d'un cheval de propriétaire. Du coup, j'étais trop contente, et depuis, je le monte tout le temps. Bon, il est un peu vieux, il s'appelle Link, voilà, je l'adore, c'est. Il est juste magnifique. En plus, il a une histoire touchante. Il a une grosse morsure, en fait, au niveau du cou. C'était quand il était bébé, son père, en fait, il a pas accepté que ce soit un garçon. Du coup, il l'a pris par le cou et il l'a envoyé en l'air, en fait. Voilà, donc voilà, donc ma FAQ est finie, donc elle est assez courte, donc j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et abonnez-vous, et likez, et commentez tout ce que vous voulez. Allez, bye tout le monde, bisous!